la team, assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix soit vous, inchallah. J'espère que tout se passe bien en ce fin de week-end. J'espère que vous êtes bien reposés, ceux qui charbonnent à partir de lundi. Je vous dis bon courage. Et surtout courage à tous ceux qui travaillent aux hôpitaux, à ceux qui travaillent dans l'industrie agroalimentaire, aux routiers, routières, aux infirmiers, aux infirmières, aux gens qui travaillent dans les hôpitaux, qui sauvent des vies tous les jours. Courage aux pompiers, tous ceux que j'oublie. Courage même aux forces de l'ordre, aux CRS, aux flics qui tiennent. Qui maintiennent l'ordre dans cette société de plus en plus tarée, où les gens deviennent de plus en plus marteaux, de plus en plus de personnes deviennent agressives et cherchent la merde pour rien, pour danser, quoi. Comme c'était une métaphore, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, on se retrouve sur un son. J'ai jamais vu ça avant. Zuku Maizi, feat. Friscorion. Le nom, c'est Pépé Anglais, MDR. Franchement, je sais pas, vous cherchez des noms pareils, mais à un moment donné, hey, les gars, je suis pas dans votre cerveau, mais ça tombe pas bon, quand même. Hein. C'est abusé. Voilà, les pseudonymes, ils sont chelous, les gens. Maizi, Zuku Maizi, et le nom du le titre, c'est Pépé Anglais. Ouais, c'est quoi ça? C'est chelou. Hein. C'est quoi, ils se considèrent comme un Pépé Anglais ou c'est comment? J'aime bien la colométrie, moi. Malheureusement, vous n'avez pas bien la voir. Ça fait chier. Là. Ouais, ça va, y'a pire. Bang bang. Il n'y a pas beaucoup de vues, hein. 4 juin, 703 000 vues, hein. C'est bizarre. Alors que la frise coréenne, ça fait du carton rouge, hein. Mais le mec, il dit pas grand chose non plus. Hein. Franchement, mec, il parle la sape, quoi, la sape de bourgeois. Là. C'est tout, hein. Franchement, le texte, c'est pas incroyable. Hein. MDR. Rapide anglais. What? Il a dit quoi? J'arrive raciste comme quoi? Comme French code? Ah ben, un traducteur de frise à bientôt. J'arrive raciste avec le trench coat. C'est quoi ce truc? Bon, si un traducteur de Frisk Orléans, fais-moi signe, merci. Un malin, lui. Voilà, j'ai vu que c'est VTC là. Ça me siffle en vrai, tu vois, dans ce genre de son, il dit très peu de choses en fait, mais c'est pirate ce qui sort en fait, tu vois. Après, t'es là en train de chercher c'est qui, c'est quoi, il raconte quoi, il parle de qui, de quoi, ouais. C'est un de ces pirates, c'est super mal là ce qu'il fait. Ce son, en fait, il y a un côté triste avec la mélodie, c'est bizarre. Ils ont pas raconté grand chose, tu vois, c'est bizarre. Ah oui, c'est pas le son que j'écouterais tous les jours. Hein. Tu vas parler plus aux anglais et aux ricains, j'imagine. Voilà, c'est des boys de fou qui me font. Pépé anglais. Ouais, Pépé anglais. Zuku Maizi. Ouais, les gars, les pseudonymes, les frères, c'est trop là. Peut-être ils vont s'appeler Baby Girl ou quoi. Ouais, les gars, c'est pas. Je comprends pas, moi. Oh, dites-moi ce que vous en pensez de l'ambiance du clip, la colométrie. Et le texte bizarre que je comprends pas. Je ne comprends pas ce texte. Il est spécial ce mec, il y a des piercings partout, wesh. Des piercings gonarines, sérieux, c'est une blague ça. Ah non, j'aime pas ça. C'est trop ça, même les femmes, des piercings gonarines, je déteste ça. C'est pas beau du tout ça. Wesh. Après, il fait ce qu'il veut de sa vie, hein, sincèrement. Mais wesh, je suis dans un clip avec des piercings gonarines, frère, c'est quoi le but? J'ai des piercings gonarines, wesh. C'est gangsta ça, c'est quoi ça? Après, je m'en fous, il fait ce qu'il veut de sa vie, frère, voilà. C'est...
Voilà, je deviens fou, moi, des trucs comme ça me rend halluciné, quoi. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous aimez bien ce son, il vous fait taper des barres. Moi, ça me fait taper des barres, ces sons-là. Ah, c'est trop bizarre. En tout cas, merci à ceux qui me soutiennent, même si c'est devenu tellement rare. S'il y a deux personnes qui mettent un commentaire, oh là là, je vais être heureux. Mais j'avoue que bientôt, je vais même plus me casser le cul, quoi. Vraiment, quoi. À un moment donné, quoi. C'est bon, quoi. Je fais des vidéos pour essayer de faire kiffer les gens, mais bon, on dirait que les gens, ils s'en battent les couilles. Franchement, moi. Voilà, j'en ai marre de parler comme ça, négatif, négatif. Mais voilà, je suis pas là pour danser, moi. Je suis pas là pour faire la lambada, je suis pas là pour ne pas évoluer. À quoi ça sert d'avoir 500 abonnés, 1000 abonnés, 800 abonnés, ou 10 000, ou je sais pas quoi. Même dans 2 mois, si j'ai 1000 abonnés, bah, je peux dire ça tous les jours. Hein. Même si dans 2 mois, j'ai 10 000 abonnés, il n'y a rien qui va changer sur la chaîne, la vérité. Bref, MDR. Plus j'ai des abonnés, moins j'ai de vues. C'est cool, ça, le concept, voilà. Merci, les gens, ça fait vachement plaisir. Mais franchement, sincèrement, je le dis depuis le départ. Si vous n'aimez pas mes contenus, abonnez-vous pas. Venez pas vous abonner, sincèrement. À quoi ça rime? Et tu vois, peut-être ce soir, il y aura deux personnes qui vont se désabonner. Ça me fait rigoler. On dirait des moutons, les gens. Il faut que je vous dise ce que vous devez faire dans votre vie ou c'est comment? Moi, je force pas les gens à s'abonner. Si vous abonnez, c'est parce que vous appréciez mon originalité, ma gueule, j'imagine. Starfallabi. Vous appréciez mon originalité, mon style et ce que je fais. Si vous aimez pas, c'est tout. Paix sur vous. Vivez votre vie. Là, je m'en bats les couilles, moi. Moi, je suis pas dans votre vie. Hein. Vous êtes pas dans ma vie. Hein. C'est pas vous qui me donnez haja à manger. C'est pas vous qui me faites avancer dans la vie, la vérité. Actuellement, vous me donnez rien du tout. Ça, c'est quoi, ça? Je gagne pas d'argent. Je gagne rien du tout. Là, c'est de la décoration, moi, franchement. Hein. Voilà, on fait de la remise en question. Actuellement, c'est de la décoration, ma chaîne, actuellement. Bref. Je sais pas si un jour ça va vraiment avancer dans le sens du terme, puisque les gens, ils vivent par intérêt, je constate. La plupart des gens, je constate sur Internet, ils donnent de la force à des gens qui ont des millions de vues. Comme des moutons, parce qu'en fait, si tu marques la crime étant 1 million d'abonnés, mais les gens, ils vont mettre direct un pouce vers le haut, c'est incroyable. Alors qu'une personne qui en chie, qui n'a pas les moyens de faire des trucs carrés, eh ben, on lui donne pas de la force. Je sais pas c'est quoi le but, en fait. C'est se foutre de la gueule du monde, en fait. Moi, je suis pas un suce-boule, hein, tu vois. Je sais pas, les gens, là, c'est. À un moment donné, si vous m'aimez bien, c'est cool. Si vous m'aimez pas, je m'en bats les couilles. Vivez votre vie, classe. Oubliez-moi de votre tête, là. Oh, arrêtez de me casser les couilles, les trolls, ou je sais pas quoi, je m'en bats les couilles. J'ai pas que ça à faire. Wesh. Moi, bientôt, j'ai 38 ans, moi, j'avance dans la vie. Hein. Tous les jours, je fais des choses pour avancer. Hein. Moi, j'attends pas. C'est pas YouTube qui me donne la vie, hein. Bref. Sur ce, je vous dis bonne journée à vous quand même. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ciao.